Des personnages sans texte pour être compris par tous, des scènes de la vie de tous les jours, qu'on soit touriste ou qu'on habite Bruxelles, ces petits films sont avant tout une campagne de prévention. Ce qui est drôle ici, c'est que le touriste est toujours héros malgré lui, on va dire, et qui réussit toujours à déjouer l'idée du pickpocket de se faire dérober quelque chose. En fait. La distraction de la victime, voilà ce que cherchent à repérer les voleurs à la tire. Aujourd'hui, de vrais professionnels. On s'est rendu compte à un certain moment que, par exemple, en Amérique du Sud, il y avait des écoles de vol à la tire. On apprend aux gens comment faire en sorte de substituer un portefeuille ou le contenu d'un portefeuille sans que la victime s'en rende compte. Quand on fait des échanges avec d'autres pays, on se rend compte que, par exemple, quelqu'un que nous avons arrêté à Bruxelles, la prochaine fois va être vu à Paris ou à Londres. Donc c'est un réseau international. L'année dernière, 3500 vols à la tire ont été signalés à la police de Bruxelles XL. C'est 1000 de moins qu'il y a 2 ans. 150 auteurs ont aussi été pris en flagrant délit. L'équipe de la police de Bruxelles reste vigilante. Il faut aussi qu'il y ait des plaintes et qu'on puisse être instruit de la manière dont il faut poursuivre les gens qui ont commis ces actes. Les petits films de prévention seront essentiellement diffusés dans les hôtels et les offices de tourisme. Une version papier sera imprimée durant la haute saison touristique.